Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je fais un démarrage rapide. Ah, on incarne la demoiselle. Bon, bah, je vais essayer d'aller jusqu'à la jungle. Pardi. Oh, magnifique. Le meurtre du scorpion fait plaisir. Ouf. Ouf, 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 la mauvaise gestion de la chute. Ouais, oui, forcément. Oh là là, le bordel. Le bordel. Une petite heure de Spell Lucky et puis après on ira sur The Elder Scrolls Online. D'accord, la sortie est toute proche. Quelle bête, cette fille! Ah, oh, merdoum! Excusez-moi du peu! Ouais, bah, bof, bof, hein, pour un premier tableau! Ah, je vais pas me plaindre! Je vais pas me plaindre parce que c'est pas spécialement vicieux! J'ai eu pire par le passé! Je pense que ça vaut le coup d'y aller! C'est par là. Ah merde, j'ai claqué le lore. Bah finalement, c'est la déception. Ah merde, faut que je fasse encore usage d'une corde. Ah, ça me coûte un peu cher comme opération. Retorota. Mais merci hein, pour ton info sur Elder Scrolls Online. Donc du coup, je me fais une petite heure de Spell Lucky le temps que la maintenance se termine. Ah, je savais pas que c'était périodique. Merci pour l'info. Niveau suivant. Non! J'ai l'info sur Sherpan. Non. Oh là là. Tête de Kali, mais oh, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Ou alors... Voilà. Alors... Fouettez-moi tout ça! Fouettez-moi tout ça! Oui, brisé en deux l'hôtel de Kali. Non mais c'est vachement agréable quand même d'avoir une communauté alerte, informée et tout. C'est super confort en fait. C'est pour ça que j'aurais cesse de vous remercier. Toutes et tous. Oula, descendre dans la fosse. Hop là. Oh les salopards. J'entends le chien qu'il faut sauver. Ouais, c'est bien, je l'ai eu. Mais non, mais je voulais récupérer le caillou, patate. Merci. Putain, j'ai plus qu'une bombe. Et ça le fait pas. Je l'ai dans le baba. Merde. Non. Oh là là. Il y a moyen hein, de remonter, mais j'ai pas le geste. Voilà. Ouais.
Ah merde, voilà. C'est très bien. Ça c'est moins bien. Ouais, c'était sûr. Elle était trop proche, la peau de vache. Elle était trop proche, la peau de vache. Oh merde, il y a déjà l'autre. Oh, il y a un marchand. Alors, je sais pas où était le chien. Il était un peu plus bas, mais... Oh, la mauvaise chute. Oh non, puis il a rien qui m'intéresse, le marchand. Bah, je me barre. Je me barre. Le marchand n'a rien d'intéressant pour moi. C'est dommage, parce que j'avais de la thunasse. Regardez-moi toute cette thunasse. Oh, ça craint du boudin. Ah! J'ai pas vu. J'ai imprudence. Imprudence de ma part. Voilà, là, il y en a une au plafond. Nous pouvons le dire. Voilà. Y'a peu. Rejet. Alors, la bonne combinaison est la suivante. Merde! Oh, le saut de nul. Bien fait pour ma tronche. Oui, vilain serpent, viens pas si je te fouille, tu. Oh merde, en dessous il y a la mort. Il y a la mort qui nous attend. C'est horrible. Chez Kegum. Alors, petite jarre à faire. Hein? Tiens. Ah bah. Ah merde, dommage, il a loupé le serpent. Quel dommage. Merci. Heureusement qu'il n'y avait pas une merde dans la jarre, parce que sinon. J'aurais fait pique au cul. Voilà. Ah merde. Ouh, j'ai failli ne pas l'avoir. Ça s'est joué à peu de choses. Bon, tant pis, je trouve même pas la dite blonde du niveau, je me barre. Croyez-vous que je vais atteindre la jungle pour 15 heures? C'est pas gagné. La dernière fois, j'avais mis 1h30. Soupir. Oh la vache. Oh, oh le bordel. Ah, vendeur. Ah, il vend des bombes. Et la blonde est là. Mm-hmm. Oh merde. Ah, Mirloum. Hôtel de Cali, ça m'intéresse, moi. Hôtel de Calimero. Non. Tiens, vas-y là, la blonde. Hop. Ouais, magnifique, cette esquive de flèche, c'était beau. Oh, il y a l'hôtel de Cali juste à côté. Oh, le bordel. C'est trop tentant de semer le chaos, là. Déjà, j'achète vos bombes. Un parachute. Bon, d'escalade, j'ai pas assez. Et des cordes, on va acheter ça. Acheter parachute. Oui, bon, bon. Et maintenant, je vais semer le chaos. Le bois-jard, le bois-jard. Ça va être merveilleux. Oula. Merveilleux ou pas? Bon. Alors, une petite corde pour sauver mes fesses. Et voilà. Bon, j'excite le vendeur de mes deux, mais bon, bref. Oh, c'est dommage, j'avais espoir qu'il y ait un... l'hôtel de Khalid défoncé. Oh, c'est tentant. La cupidité. Oh, ma perte. Attendez. Faut que je mette où est l'autre... Attends, mais je peux pas descendre. Si? Ah si, je peux. Voilà.
Oh merde, il est en bas l'excité. Il défonce déjà, il défonce tout. Il est où l'excité? Ouais, il va me défoncer. Merde. Faudra que j'atterrisse presque pile poil sur le... Ouh, j'ai chaud. Sur le... l'arrivée. Ah bah, en plus, il y a le fantôme qui se pointe. Hop là. Oh, j'ai du bol. C'était culotté, hein. Ce que j'ai fait, franchement, était culotté. Je peux m'acheter le bijou du dragon là. En fait, c'est une vie. Pour ceux qui l'auraient pas compris, ça donne une vie. Oh merde. Oh, c'est... oh, un serpent pour en assommer un autre, dis donc. Je savais même pas que c'était envisageable. Mais... ah non, mais il se passe le mot de, d'un niveau à l'autre, les marchands. Faut jamais les patater, en fait. Oh, c'est pas drôle. J'avais espoir qu'il y ait un droit à l'oubli, mais nope. Il n'y a pas de droit à l'oubli, ici. Le seul droit à l'oubli, c'est quand tu te perds dans le labyrinthe. Dans les profondeurs. C'est le seul droit à l'oubli valable. Cette merde, oh, je crois que j'avais pris le caillou. Oh. Batman. Oh, magnifique. Une pierre de coups, littéralement. Oh, attends, il y a du matos au-dessus. Je sacrifie une... Ah, puis il y a la blonde. Ah, oh, bah alors. Oula, puis il y a un coffre piégé. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, bah non, j'y vais pas, je suis pas fou. Attendez, je ne sais plus par où aller, moi. Oui, bah, tu vas te libérer de toi-même, ma grande. Allez, bouge. C'est quoi ça? Ah oui, non, c'est un rare. Waouh. La caisse, il y a quoi dedans? Ah oui, il y a des bonbons cadeaux. Là aussi, j'ai largement rentabilisé ma... Elle va où, la malheureuse? Ah, bon bah c'est bien, elle se tient à carreau, si je puis dire, la blonde. Attendez, voilà. Mais où est la sortie? C'est angoissant. Ah bah elle est là. Ah bah ça va. Du coup, je m'interroge. Je me promène ou pas? Parce que là, je vais pouvoir remonter. Ouais. Magnifique. J'aurai un bijou de la blonde. Une vie supplémentaire. Alors, est-ce que Bombinette Chera, ça vaut le coup ou pas? Bof. Il y a un joyau, il y a... Il m'inspire pas, ce niveau. Non, bah on va faire les valises et on va aller 100 mètres plus bas au niveau suivant. Bah... Il ne m'inspire pas, ce niveau, il ne m'inspire point. Auprès de ma blonde. Oh oh. Bah, je sais pas ce que j'ai fait péter, mais pour le coup... Ah ouf. Alors attends. Merde! J'ai lancé trop loin. Oh le con. Merci. Hop là, je la récupère. C'est... Ah merde, il y a le vendeur à la noix. Le vendeur qui s'est persécuté dans sa prison. Est-ce qu'elle est en bas est intéressant. Je ne suis convaincu par rien, mais bon. Bon, bah au moins ça s'est fait. Ah, oh, ça a l'air profond en bas. Ah, vendeur de bombes.
Je dis oui. Je te dis que ça me fait envie. Bonjour, monsieur le machin. Oui, je me ruine pour vous. J'achète vos bouts. Ah merde, j'ai pas assez. Mais c'est merveilleux. 2500. Oh merde, si seulement j'avais encore un peu d'or. Ou alors je fais péter le monde pour récupérer de l'or. À moi les pépites! À moi la tunasse! J'achète votre dernier lot de bombes, monsieur le marchand. C'est combien la glu? Ouais, 3000. La 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 la. J'ai des prix chez le marchand. Oh mon dieu, comment vais-je faire? Waouh! Alors la première, je peux. Mais par contre, la seconde. Oh merde. Ouais, non, c'est pas idiot, mais c'est pas valable. Allez, go. Oh oui! Oh non! Non, c'est dégueulasse. C'est pourquoi vous allez manger de la bombe. Oui, c'est cela qu'il fallait faire. Eh oh, la petite pépite, elle est à moi. Je l'ai vu! Rendez-la moi. Tiens, viens par ici, Hélène. Je résiste pas. Quoi, il est déjà là, le fantôme de Méleux? Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est un scandale. Mais j'ai fait le plein de bombes. Ah, il faut vraiment que je fasse attention de ne pas crever. Parce que avoir autant de bombes, c'est cool. Et j'ai cool. J'ai cool, waouh. Youhou. Non. Oh, cette variante horrible de l'obscurité, des ténèbres. Oh, je crois qu'il y a un marchand en bas, non? Ah non, je voyais... Ah oui, si, il y a un marchand. Mais de quoi? Oh, ils vendent des bombes! Refunfan, je ne résiste pas aux marchands de bombes. Oula, 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 j'ai une chauve-souris qui va me poser problème. Oula la la la. Non, loupé. Oh, le scarabée, ça vaut de la thune. Je vais. Oh, j'ai que 3 cordes. Attends, il vend des cordes, le monsieur? Nope. Il vend que des bains. Enfin, de ce qui m'intéresse, ce sont les bombes. Ah bon, bah on y va. Oh, magnifique. J'avais oublié le serpent et coup de bol, il m'a servi d'amortisseur, cet idiot. Oui, monsieur. Ah, mais c'est l'inflation. Non, je ne sais plus. Machette. Ah, c'est pas inintéressant. Non, il faut que je garde la torche en main. Je peux pas prendre et la machette et la torche. Hic, bien que l'ennemi, c'est deux mains. Faut qu'elle garde une main pour réflexe d'escalade. Oh, non! C'est une araignus gigantibus qui va me croquer le cus. Oui, bonne sieste, à tout à l'heure, Torota. Oui, merci pour votre modération. D'ailleurs, je vous ai pas salué ce matin, pardon, mais... Merci à vous d'être là pour la modération. Oh, merde. Comment je gère la... Attends. Hop. Hop. Voilà. Donc je pense qu'elle s'est faite quick. Ah la vache, oui, il est dangereux. Il est dangereux, je sais pas comment gérer... Bah merde, oui, bah tu parles. Voilà, dans sa gueule. Magnifique. Et l'araignée maintenant, je fais comment? Oh la vache, elle est là, la vilaine. Elle est là, la vilaine. Dou, dou, dou. Allez, j'en balance 3 à la suite. L'ai-je eu? Oui, non, non, oui. Oui, non, non, oui. Oui, non, non, oui. Je vais me casser la gueule aussi. Mais je suis en vie. Oui, non, non, oui. Je vais me barrer vite d'ici. De l'intérêt d'avoir des bambas. Ah, le stress. J'étais tendu. J'étais... Oula. Oh, encore des... Oh, les serpents cracheurs cobra là. Au secours. Non, elle va me croquer le cul. Vilaine bête. Et toi, arrête de cracher!
Mais non, mais il y a des... Oh, ça c'est moche par contre. Oula. Oh non, mais c'est dégueulasse. Salopard. Merci. Bon, j'en ai calmé un, mais... C'est pas dit que ça fasse mon affaire. Oh, il y a déjà un Shadow Majo. Ah. C'est terrible. Voilà. Tiens, mangez-vous ça. Oh, il y a des caisses explosives en dessous. Il y a des choses à faire, hein, mais il faut trouver la bonne combinaison. Alors lui, il va me les briser grave. Merde. Tiens, attrape. Non, pas ça. Non, merde. Oh là, je fais pas ce qu'il faut. Chiant. Ah, merci. Pardon. Oh, la blonde. Je l'ai assommée avec la bombe. J'ai pas fait exprès. Alors attends, je vais pousser ça parce qu'il y a peut-être un intérêt à aller là. Non, ça m'a l'air bien pauvre. Le jeu en vaut pas la chandelle. Oh, la chauve-souris, elle est mal placée. Ouais, bah dis donc. Ah bah non. Je voulais l'avoir par le souffle de l'explosion, moi. Je suis dégueulasse. Non. Vilain cobra, viens ici. Viens ici que je te tombe dessus. Voilà. Oh, il y a une caisse de matos. Et la blonde, elle est où? Ah, il y a un masochiste qui est mort. Ok, tout va bien. Ah, l'arrivée est là-bas. Mais la blonde est où, du coup? Parce que du coup, je ne sais plus, moi. Non, ah, la blonde est là. La blonde est... Bah oui, mais il y a des frissons de... Voilà, hein. Bon. Non, mais... Non, mais... Merde. Ah, mais merde, mais c'est l'arrivée de l'autre côté. Je suis un crétin. Tout va bien. Excuse-moi, la blonde, tu vas me servir de... Hop là. Non, mais j'ai loupé mon son, je suis mort. Hein. Voilà, c'était ma destinée. Crotum, merdum, chotum. Ah, la blonde est ici. Non, le squelette redevient mort. Retrouve ton état normal. De mort absolue. Hop, la blonde. Schmoing. Méfiez-vous des blondes. Mais où est-ce qu'elle court, la nonasse? C'était de l'autre côté. Oh mon dieu. Et cette chauve-souris qui va me guaquer. Oui, cours la blonde. Il y a une chauve-souris qui veut te croquer. C'est horrible. Magnifique. Oh, magnifique. Bon, allez, go. Oula, oula, oula. D'accord. Ah, la caisse me plaît. La caisse me plaît, la caisse me plaît. Oh, tunasse. Et c'est la tunasse de l'amour. Pardon, excuse-moi ma grande, j'étais complètement assommé. Ah bah la sortie est par là, donc vas-y, je te dépose. Tu vas tomber tout naturellement vers la sortie. Qui est en contrebas. Vas-y sans moi ma grande. Très bien, on a entendu le drrrrou. Elle s'est sauvée elle-même. Merde, ça a pas pété comme je voulais. Oh oui! Oh 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 oui! Pour deux bombes utilisées, recevez 3. Donc j'ai un gain de plus 1. Par contre, là, ce que j'aime pas, c'est la configuration avec le. Ouais, je sais pas si. Un... Non, il n'y a rien qui a sauté. Le truc va me péter dans la tronche. Attends. Du bon usage des bombes, pourrait-on dire. Voilà, là, on n'en parle plus. Merde. Merde. Ah, oh. Mauvaise évaluation des distances de sécurité. Ah. Alors ça par contre c'est pas cool.
Alors ça, c'est vraiment une configuration de bip. Oh, c'est apprécié. Et ben voilà, je vais l'avoir dans l'os. Et merde, je fais pas ce qu'il faut. Oui, je peux passer par là aussi, pendant qu'on y est. Ouais, c'est la fête. Ah bah non. Non, c'est pas du tout la fête. Oulala. Non, c'est une catastrophe. Mais non, mais... Mais c'est un scandale. Oh, lamentable la fin de ce niveau. Bon bah tu parles. Bon, j'ai de la thune, c'est vrai. Mais j'ai plus de matos. J'espère que le vendeur va être généreux dans le prochain niveau. Faut qu'il ait des bombes et des cordes. Visiblement, c'est mal barré. Ah. Il y a une araignée. Une bombe! Je vais me faire exploser, ça va pas. Ouais, j'ai eu du bol de pimpant des dégâts de la flèche, hein, parce que. J'ai vu un vendeur, j'ai vu une merde. Non! Oui, il a des bombes, mais il a pas de cordes, chiotte! Mais c'est mieux que rien, satané de chauve-souris, mais deux, merde! Bon bah, oh, puis il y en a une deuxième. Allez, deuxième service, allez, vas-y, bouffe-moi. Non, c'est horrible. Je joue très mal. Je l'avoue. Oui, oui. Merde. Je joue très mal. Je joue très mal, je vais passer par-dessus, mais j'ai merdé mon saut. Eh ben dis donc, à nouveau je suis brouillon, mais bon là j'ai aucun intérêt à provoquer de bordel. Oh non, il y a encore une grande chute. Non, elle saute pas. Elle saute pas de là. Bon, elle saute pas de là. Oh non, mais c'est vachement haut, vous êtes fous. Et là-bas, si je fais péter une bombe, j'ai un gain ou j'ai pas de gain? Oh bah non, mais hey, c'est une escroquerie ce niveau. Vraiment. Ah, j'ai entendu la blonde qui était par là-bas. C'est une vraie escroquerie ce niveau. Ah non, mais c'est une honte absolue. Non, mais vous êtes cinglés. Autant faire péter là où il y a de l'or. Bah oui. Mais merde. Bah oui. Donc, ah si, ça va. Ça suffit. La flèche, je vais me la manger. Non. Oh, mais je vais mourir, c'est trop. Mais non! Ah! Quelle horreur! Mais c'est quoi ce niveau de ma boule? Bon, allez, j'ai sauvé le chien. La dite blonde. Mais ça vaut même pas le coup d'aller là-bas. C'est une horreur. C'est une horreur absolue, là. J'ai pas de bol, hein. Il y a de l'aléatoire et j'ai pas de bol. Vraiment. Là, quand j'avais plein de bombes, c'était pas mal. Sauf que j'ai pas assuré. Donc, il faut que j'assure que j'ai du bol. Oh mon dieu, quand je pense qu'il y a des gens qui font des records de fou là-dessus, qui l'ont fini. Déjà, ceux qui arrivent, je l'avais déjà dit, hein, ceux qui arrivent déjà à faire la mauvaise fin, bravo à eux. Mais ceux qui font la vraie fin qui est cachée, c'est exceptionnel. Vraiment, exceptionnel. Excusez-moi du peu. Ah, là il y a... Oh! Oh, je regrettais de ne pas avoir la thunasse, moi. Je vais regretter de ne pas avoir la thunasse. Ah.
Ah, ça fait longtemps que j'avais pas vu la clé en or du coffre, qui est juste en face d'ailleurs. Du coffre à serrure avec le super cadeau dedans. Enfin, si j'y arrive. Allez, on va faire un usage d'une corde parce qu'en général ça vaut le coup. Ah mais oui, j'ai l'œil de Kali pour repérer dans la roche les joyaux et où placer les bombes judicieusement. Alors évidemment, cet effet bonus, je vais le garder pendant les niveaux à venir. Donc autant l'avoir dès le début, forcément. Même dans les transitions corridors, il y a des diamants qu'on ne peut pas atteindre puisqu'on ne peut pas jouer à ce moment-là. Vous l'aurez deviné. Mais c'est sympa, c'est dans la logique du jeu. Côté aléatoire d'avoir des diadèmes, des trésors, pardon. Beaucoup d'échelles, dites-moi. Échelle, oui. Oula! Oula! Je vais peut-être pas faire péter ma bombe là, mais plutôt la faire péter là où il y a l'araignée. Voilà, ça va occuper Monsieur Sadomaso. Ah. Voilà, ça va être très très chaud mon truc. Très bien. Tiens, attrape. Merdoum. C'est pas un cadeau non plus là, cette configuration. Je suis là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le balancer dans le décor, cet idiot. Il va me faire rire, je le sens. Oh, où est-ce que ça... Je crois que la blonde, elle est dans le... Là, je vais me faire de la thune si je fais péter là, mais... ouais, bon. La descente sera sécurisée, on va dire. Ouais. Ouais, la blonde est plus bas. Pas mal. Eh oui, elle est là, la blonde. Merde! Ah ah! Il y avait une bombe dans le coffre. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, la bombe dans le coffre. Et c'était pas inintéressant. Merde, un scorpion. Faut les assommer deux fois, les salopards. Ils sont robustes. Oui, je t'ai vu. Allez, bouge pas. T'auras ton canigou au bout du couloir. Attends, je vais être très vilain avec le... Et je vais le... Attends. Voilà. Oh merde! Oh merde! J'avais pas vu l'araignée. Une fois de plus. Alors là, pour me faire surprendre, c'est réussi. Oh my god. 1-3. Allez, si je fais pas l'idiot, on atteint la jungle. Si je fais pas l'idiot... Non, la peau de vache. Ah, elle va être bloquée par la... Ah, ça peut être le coup que je joue une bombe. Mais plutôt en bas. Ouais. Je joue une bombe ici. En attendant, j'ai un... Voilà. J'ai 500$. Merde. Ouais. Ah! La blonde est là. Et la bombe est là aussi. Les joyaux, les diadèmes. Ah, puis j'ai une caisse de matos. Ouais, mais je vais péter toutes mes bombes là. Je vais péter toutes mes bombes. Ouais, bon là je vais récupérer de l'or en même temps. Oh, c'est pas de la tunasse. Ah, oh, la caisse m'aurait plu, mais j'ai plus assez de bombes. Alors attends, est-ce que ça vaut le coup de monter? Même pas. Non, bah non, bah non, bah je vais faire la bombe là, la dernière. Je peux pas faire mieux. Incroyable, mais vrai. Merde! Ah!
Attends. Elle est partie où, la dite blonde? Ah, des cordes. Merde. Je tourne. Elle, elle attend, évidemment. Que j'arrive. La vilaine! Oh. Évidemment, la porte n'est pas par là. Oh, attends, il y a un vendeur. Ah si, elle est en dessous de la porte. Oh! Le serpent qui agresse le vendeur. Le cobra. Je n'en reviens pas. Je ne sais plus ce que je vois. Incroyable, mais vrai. Et il s'en accommode, l'autre. Ça va, tranquille. Merde, j'ai plus de bombes. Tu veux du chien? Bah, j'ai des frissons partout, là. Je suis un peu dans une config de... De mort. C'est la mort qui t'arrache sa chine. Vite, mange-toi le cul. Attends, avec un peu de chance, je vais pouvoir faire des affaires. Ou pas. Merci, au revoir. Oh, oh, oui, oui. Comme quoi, faut savoir garder son sang-froid. Ouh. Oh là là, la pression. Heureux, Christella, heureux. Eh ben, dis donc. J'atteins la jungle, c'est inouï. Oula, c'est inouï, mais c'est dangereux. Oh la vache. Alors, je sais même pas ce que te font les macaques, mais d'en voir trois, là, je flippe déjà. Alors. Oh non! Il faudrait que je tombe sur le sadomaso. Je peux pas voir. Merde, j'aimerais voir si. Ah! C'était sûr. Ah, il allait se faire en papa outé, j'ai l'impression. Non, c'est dégueu. Ah! Ah! C'est horrible. Mais c'est horrible. Vraiment. La jungle, c'est. Je n'ose imaginer les mondes suivants. Je crois qu'il y a deux mondes après celui-là, plus le monde caché de la vraie fin. C'est abominable. Oh là 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 là. Je m'y remets encore un peu parce que il y a encore la maintenance des serveurs Tezo. J'en refais encore une tentative. Alors. Voilà. Ça c'est fait. Je voulais faire un retourné avec lancer de pierre, mais j'ai complètement merdé ma technique. Elle était pas valable, je suis deg. Je suis dégoûté. Oh, je vais me la faire, la vilaine araignée. La vilaine bête. Viens par ici. Tiens, blanc, dans tes dents. Enfin, dans tes crocs plutôt. Le caillou. Oh oh. Eh, hey, retourne d'entre les morts, toi. Hein. Ou pas. C'est un cul de chac. Oh merde, il va me tomber dessus, cet idiot. Ah. Oh. I-E-U-Y. Hop là. Non, c'est pas un combat, il crache pas. Je peux pas descendre comme ça, il y a les pics à la noix. Et moi, ces pics-là, j'en veux pas. Et heureusement qu'il y avait rien de méchant dans la jarre, sinon je me faisais avoir d'entrée de jeu. Oh merde! Oh bah alors là, je l'ai pas vu. Merde, c'est dégueulasse. J'ai entendu la blonde qui fait ouh. Mais je sais pas exactement où elle est. Un joyau, un diorème. Un serpent dans la jarre. Comme quoi, il faut prendre ses précautions en toutes circonstances. Bien fait pour ma gueule. Allez, deuxième service.
Oh, strike. C'est chaque ball. Je pense pas que ça valait le coup d'aller en face. Attendez, je suis perturbé. Je suis perturbé à retrouver la blindasse. Où qu'elle est. Il y a des lingots déjà, c'est pas désagréable. Mais où est la blonde? Alors non, oui, non, je vais descendre par là. Ouais, bah, autant y aller par là où il n'y a pas la toile d'araignée. Ouais, on prend un lingot, ça va pas le coup. Quoique là, celui-là, ça va, il n'y a pas d'ennemis. Ah, la sortie est là. J'ai repéré le chambranle de la sortie en bas, en quelques pixels d'épaisseur. Ah, alors, presque ça. Merci. Merde, mais non, mais... Nul le mec, c'est inouï. Oui, attends, je vois ça après. Ça aussi d'ailleurs. Attendez, il y a le matos avant même de sauver mademoiselle. Merde, j'ai mal passé ma corde, moi. Non. Bon, sauf si le cadeau, c'est des cordes. Ah, c'est un fusil. Tiens donc. J'ai la violence. Oh. Alors, la blonde, je te tire une cartouche. Ah, ah, ça parle mal. Ta-da-ta-ta. Yop là. Ou encore, c'est ridicule parce que j'incarne un personnage féminin. Attendez, je fais n'importe quoi. Je suis la dissidence absolue. J'ai 4 bombes. Voilà, si seulement. Non, j'ai pas la portée. Je peux pas. Ah merde, le fantôme est déjà là. Il est bien pressé, ce fantôme, je trouve. Dommage, je n'explorerai pas davantage le niveau. Le bisou de la bombe. Plus une vie. Tableau 2. C'est bien de se barrer du premier tableau avec un 10 000 $. C'est très très bien. Généralement, quand je fais une moyenne de 6 000, déjà je suis satisfait. Mais alors 10 000, je suis vraiment content. Il n'y a plus qu'à espérer de tomber sur un bon marchand. Hein, le marchand, il vend des bombes. Merde, on verra après. Attends, j'ai posé le fusil. Déjà. Oh merde. Ah bah, fusil. Fusil! Moi aussi, j'ai envie de faire mon marchand en colère. Tiens. Avec le recul de l'arme, ça donne bien. Vous êtes des vicieux. Vraiment. Ah, cool. Allez, hop. Rien pour faire suer l'araignée. Et voilà. Dommage, les pépites ont giclé à l'opposé. Je baisse les armes pour pas être menaçant. Je vois pas qu'il se retourne contre moi, le moustique. Merci, monsieur. Oh. Oh. Merde, j'ai loupé mon... Ah, vite! Non, elles sont trop nombreuses. Venez par ici, les vilaines, je vous attends. Mais... Ça a été archi nul contre les chauves-souris. Mais c'est n'importe quoi. Ça tire trop droit en fait, c'est ça mon souci. Ah bah je suis déçu de la... Hein? Voilà. Je fais comment moi contre l'araignée maintenant? C'est nul. Bah voilà, je vais me faire avoir comme un... Nigo. Mais non mais... Ah si. Bon, ouf. Mais bah je me barre. Mais j'ai plus qu'une vie, c'est dommage. C'est dommage. C'est mal entamé.
pas être cool comme périple. Alors, il y a la clé du coffre, oui, pour l'œil de... j'allais dire de tout, n'importe quoi. Oh non! Sauf si je jette mon fusil. Oui, puisque la flèche a déclenché notre truc. Là, je suis content de la réaction en chaîne. Merde, j'avais oublié la chanson. Ah, il y a quelqu'un en dessous. Ouh, qui voit des bambas. Attends, qu'est-ce que c'est que cette configuration de ma boule? Attention à la clé. Ouais, parce que comme elle est bien lourde. Alors, est-ce que j'ai un avantage à faire tomber la clé? Je sais pas, j'ai pas vu le coffre. Mais bon. Allez savoir. Ok. Non, pas, surtout pas le vendeur. Ah bah le coffre est là, c'est bien. J'achète. Un bisou, j'ai droit à une promotion, non? Allez, les cordes, je suis fou, moi. Stratégiquement, faut pas que j'oublie. Alors j'ai le fusil. Comment je gère? Parce que, attends, le marchand est là. Est-ce que le boulet va... Oh, je l'ai sympa. J'ai peur de semer le chaos, mais comme il faut pas. Merde, moi. Je crois de toute façon que j'aurai pas d'accès. Alors. Voilà. Très bien. Ça a bien pété comme il fallait. Là, j'ai rien. Je viens de repérer la sortie. Je viens de repérer la sortie. Et je récolte les joyaux à coups de fusil. Oh, lui. Ça devient jouissif le fusil, faut que j'arrête là. J'y prends goût. À la prochaine partie, il va me manquer. Trop bien. La descente en rappel avec le fusil en main, c'est trop de la classe. Oh non. Alors attends. Merci. Aussi le fantôme au fusil. Ah oh, merde. Faut que j'arrête la déconnade. Il aurait pu me bouffer. Eh bah, est-ce que le fusil est en train de me sauver la mise? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ah merde, la bombe qui est là-haut. Oh, je peux voir en bas, Zoupies? Ouais, avec une corde. Avec une corde. Oh, le recul du fusil, c'est la folie. Mais c'est logique en même temps. Je l'accepte. Mais non, mais... Non, chauve-souris de mes deux. Ah, caisse explosif à double titre. À double titre, mais là, je l'aurai pas. Donc, la blonde qui est là-haut. Je vais mettre la corde là. Mais. Merde, ça marche pas. Si je tire là, je vais me faire buter puisque je vais avoir le souffle de l'explosion. Ah ben non, je peux pousser, je suis con. Je suis bête, pardon, pote poli. Ben voilà. Et là, ni. Je regrette déjà le fusil. Il me manque déjà. Il me manque. Non. C'est ça, va mourir. Va déclencher les pièges à flèche, va. Villain bait. Oui. Oh, ce saut. Oh, le vilain serpent. Oh, la villain bait. Il y a un truc par là-bas. Il y a la sortie.
Il y a la sortie. Ouais, bof. C'est pas la richesse non plus. C'est pas la richesse non plus. Ah, la blonde est là. Et c'est un blondinet. C'est un blondinet. C'est un blondinet. Alors, jeune homme, veuillez me suivre, jeune homme. $5000 tout rond, mais une vie supplémentaire. Le bisou. Le zoubi. Fallait bien que je sois perdant à un moment ou à un autre. Oh bah par deux fois. Oui bon allez, je vais. Ah. Le cadeau emballé, j'ai jamais compris ce que c'était. J'ai gagné un collier. Oh. Ah c'est haut. C'est haut et c'est moche. Oh non, mais là, vous déconnez, les gens. Attends. Ah, il y a du matos, merde. Il y a du matos. D'accord, donc fallait faire une ouverture là. Oh oui, ça fait cher. Ça fait cher pour pas dire autre chose. Attends, j'aimerais te voir plus tard parce que. Bon, ouais. Je suis que le repeteur. Hop là. Merde, l'araignée va faire suer. La corde, oui. Attends, je crois que le fantôme va pas tarder à se pointer. Faut peut-être que je me mêle les fesses, là. Oh, je suis sûr que c'est haut. Allez, je vais faire péter à partir d'ici, parce que... Hop là, je t'ai fait sauter l'araignée en même temps. Hop là. Ah ah ah, c'est dégueulasse, vous avez vu? La sortie est juste en dessous de l'araignée. Géante, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà, le fantôme est déjà là. Je savais que j'avais eu trop de temps. Non mais là, ça craint du boudin, mais grave, quoi. Mais merci de me montrer le chemin à la bondasse. Sauf que... Ouch. Ouh, ça va mal se finir. Ça va... Oh, quoique. Allez, saute, abruti. Mais saute! Vite, mais il y a le fantôme! Trop tard. Bien essayé, mais trop tard. Allez, on va faire du Tezo. Sinon, j'aurais plus d'énergie pour The Elder Scrolls Online. C'est trop de violence. Trop. Trop de violence. Allez, changeons de catégorie et puis bah, on va partir dans le monde. Dans le monde fou de Tezo.